Alexandre, je voudrais qu'on revienne sur les événements de jeudi dernier. Moi, des témoignages que j'ai recueillis, apparemment, il y aurait eu une dispute entre Émeric et vous. Non, c'était pas vraiment une dispute. Enfin, non, ben non. C'est ce que j'ai entendu. C'était pas une dispute. C'est comme d'habitude, quoi. On parlait un peu fort, quoi. On s'est un peu chauffé, un peu animé, quoi. Comme d'habitude, vous êtes sûr? Ouais, bah oui. Je sais pas. Enfin, genre, l'ambiance, on a l'habitude, quoi. Qu'on soit un peu, on s'envoie des vacheries, quoi. Je sais pas. On se fight un peu. Tristan se met à bouder. Enfin, normal. Tristan, hé, Tristan, c'est par là. Tristan, voilà. Bon, est-ce que tu peux m'expliquer précisément comment ça s'est passé? Bah avec Alex et Rick et moi, et on faisait salon, je sais plus, Sandrine a dit une connerie, voilà, une soirée normale quoi. Bon, Alexandre, qu'est-ce qu'on entend là? Bah c'est la fin de la soirée quoi, hein. C'est le moment où c'est un peu parti en live quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire, partir en live? Bah déjà on fait rêve, pour commencer. Non, l'humour, c'est pas le moment. Mais c'est sort Qui? contexte, sort contexte, mais c'est hors contexte là en fait. C'est genre là comme ça, isolé comme ça, Alors, forcément ça c'est hors fait. contexte, d'accord. Vous remettez le contexte, si vous voulez. Moi, Très bien, j'ai tout mon voilà. temps. J'ai tout mon Ok, temps. voilà. Bah non, c'est que là, quand on entend comme ça, sans rien, ça fait vraiment violent. Mais en fait, dans l'élan de la soirée, comme ça, c'était plus, on est toujours un peu entre la vanne et le sérieux, c'est pas. Et puis on est rentré à 1 h du matin et voilà, on avait mangé un kebab quoi. Mais tu l'as vu tomber? De quoi? Tu l'as vu tomber? Qui? Qui? Émeric? Mais non, mais oui, enfin non, je l'avais pas vu, ouais. Non, parce que moi, tu m'as dit il y a 2 jours que tu l'avais vu tomber. Et que vous étiez parti parce que vous aviez paniqué. Non, mais je crois pas que je l'ai vu. Tu crois ou t'es sûr? Faut savoir, là, c'est important, Tristan. Non, mais j'étais déjà aveugle la semaine dernière, donc ouais, non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Tu m'expliques ces photos? C'est le chien des briques. Je voulais pas l'empoisonner, ce chien. C'est juste que j'ai vu qu'Ibrick avait vomi dans sa chambre le jour de sa chute. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être le kebab qu'on a mangé la veille. Alors, du coup, j'ai voulu tenter l'expérience pour voir sur le chien, voir si ça lui faisait la même chose. C'était ça. Et bah, le chien, il a commencé à devenir bizarre et il s'est plus réveillé. C'est là que j'ai compris que c'était le kebab.